Voilà, alors c'est parti. Donc avant tout, le langage de l'amour, c'est un livre de Gary Chapman qui a été découvert par beaucoup de gens à travers ses différentes activités. C'est d'abord un conseiller conjugal depuis plus de 30 ans, donc c'est pas un débutant, il sait de quoi il parle. C'est un auteur de 3 best-sellers, 17 livres au total, dont 3 qui sont vraiment très bien vendus. Et c'est un conférencier international et un facilitateur reconnu par ses pairs, notamment par des coachs comme moi qui adhèrent à ses idées et à ses concepts. Alors, le concept, c'est si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures ou d'autres langues, nous devons apprendre leur langue. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le langage de l'amour. Il peut être différent de celui de l'être que vous aimez. Donc, par exemple, vous pourriez parler chinois et la personne qui est en face de vous parle français. Donc, la qualité et la durée de votre relation dépend de votre volonté d'apprendre le langage de l'autre, de votre bien-aimé, et d'enseigner le vôtre, c'est-à-dire d'apporter des éléments pour qu'ils connaissent ou elles connaissent le vôtre. Il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard, il est temps. Et donc, comme il est temps, nous allons parler des 5 langages de l'amour, tels que Gary Chapman les identifie, avec donc 5 catégories, 5 façons d'exprimer, de manifester son amour, à ne pas confondre avec le sentiment amoureux, d'accord? Le sentiment amoureux, c'est autre chose que la façon dont on l'exprime. Okay? On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors, le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes, donc les mots hein, que vous dites, et qui sont surtout valorisants. Donc, c'est pas oh, t'as grossi ces 10 derniers jours, c'est plutôt comme tu es beau, comme tu es belle, ou ce vêtement te va bien, ou à chaque fois que je te regarde, tu illumines ma vie, etc. Les grandes poésies et les petits mots de tous les jours font partie du langage de l'amour. Les moments de qualité, alors même principe, il y a les petits moments de qualité, on partage un thé ou un café ensemble, on regarde un film, etc. Puis il y a les grands moments de qualité, ce sont les vacances, les séjours organisés, les week-ends où on a décidé de mettre les enfants chez papy, mamie pour les passer ensemble, etc. Donc voilà, et puis évidemment les grandes vacances. Les cadeaux, c'est un langage de l'amour. Alors il y a les petits cadeaux du quotidien, ça peut être une petite fleur de temps en temps, un parfum, etc. Comme ça peut être les grands cadeaux lors des anniversaires, par exemple, où on peut offrir, je sais pas moi, une voiture, par exemple, ou en tout cas des choses qui sont attendues par la bien-aimée, ça, ou le bien-aimé, ça c'est très important hein, de faire correspondre le cadeau. Les services rendus, même principe. Il y a les petits services qu'on peut rendre dans la journée, au quotidien, et puis il y a les grands services rendus quand vous pratiquement vous remplacez la personne dans une action qu'elle devait faire, elle sait plus comment le faire, alors vous vous dites, OK, je me lance, je vais le faire à ta place. OK, donc un grand service rendu. Le toucher physique, évidemment, dans la relation amoureuse, il y a les petites attentions dans la journée, c'est la main dans les cheveux, le petit massage dans les épaules, les petites caresses, etc. Et puis, bien sûr, les moments intimes passés à deux le soir dans la chambre. Les 5 langages de l'amour, je vous les rappelle, donc les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et enfin le toucher physique. Voilà les 5 catégories telles qu'ils sont classées par Gary Chapman. Alors, essayez de vous en souvenir, on verra ça tout à l'heure. Avec vos enfants, c'est exactement le même principe, sauf que vous remplacez l'amour tel qu'on le voit entre deux personnes qui s'aiment avec l'amour maternel ou l'amour paternel. Et vous allez retrouver exactement les 5 catégories qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a peut-être que l'un de vos enfants préfère les cadeaux alors que l'autre préfère les services rendus, etc., etc. Dans le milieu professionnel, c'est le même principe. Sauf que vous allez remplacer le mot amour par le mot estime pour que vos collègues, vos confrères, vos partenaires, etc., se sentent non pas aimés parce que c'est peut-être pas le bon contexte, mais estimés, avec toujours ces 5 langages que vous allez pouvoir exprimer. Voilà, vous allez retrouver ces 5 langages dans un contexte professionnel. Avec vos clients, vous pouvez remplacer le mot amour par le mot dévouement et vous allez retrouver encore la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez très bien lancer des cadeaux vers vos clients. Vous pouvez très bien dire à vos clients que vous appréciez leur présence, leur façon de travailler, etc., etc. Alors, le problème, c'est que il se trouve rarement, et ça c'est peut-être une bonne chose, mais il faut avoir lu le livre, que dans un couple, deux personnes expriment leur affection par le même moyen. Donc, s'ils ne parlent pas la même langue, en fait, sur les 5. Et ça fait des problèmes de communication et beaucoup de désillusions, ce qui fait qu'on peut penser que l'amour dure 3 ans. Alors, je vous donne un premier exemple.
Vous avez Adam et Ève. Pour Adam, c'est les paroles valorisantes. Donc, comme tu es belle, ma chérie, il fait des poèmes, il écrit des chansons, etc. Et puis, pour Ève, c'est le temps agréable. Donc, Adam pense donner beaucoup d'amour à Ève en y écrivant un poème, mais elle n'y est pas sensible du tout. Elle, ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est passer du temps avec lui. Et c'est ce qui va lui manquer. Un deuxième exemple, donc toujours entre Adam et Ève. Ève organise un beau séjour en amoureux avec spa, remise en forme pour Adam comme pour elle. Et elle lui dit, ça va te faire perdre 10 kilos, tes 10 kilos de trop, ça va te faire du bien. Et Adam ne se sent pas aimé. Et pourtant, Ève pense avoir exprimé tout son amour à travers cette action. Il y a juste une phrase de trop. Donc, la solution, c'est d'adopter une attitude de champion. Et l'attitude de champion, c'est quoi ? Ben, on retrouve le principe du coaching. Hein. Le coaching, à l'origine, c'est fait pour les champions. Et donc, d'aller en quête, d'aller chercher le langage de l'amour de votre bien-aimé, le connaître aussi le vôtre, évidemment, et puis surtout pouvoir communiquer autour de ces langages pour vivre en harmonie autour de tout ça. Une chose très importante avant de clôturer, ne confondez pas l'amour avec les langages de l'amour. L'amour, c'est le sentiment, il ne s'explique pas, il s'exprime, mais il ne s'explique pas, donc on peut très bien aimer quelqu'un, mais sans pouvoir exprimer son amour de la façon qui est attendue. Donc, ne pensez pas que quelqu'un ne vous aime pas parce qu'il n'a pas exprimé de la façon que vous attendez, puisqu'il y a 5 langages. Et puis, ce qu'on va avoir ce soir, c'est que c'est un langage pour les amoureux. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage qui va permettre de créer l'amour. On ne sait pas comment créer l'amour. C'est une alchimie particulière. Donc, n'imaginez pas que vous allez pouvoir créer l'amour en utilisant ce langage. Par contre, entre deux personnes qui s'aiment, ce langage est nécessaire. Autre livre sur le sujet, alors il y a « Au cœur des 5 langages de l'amour », donc là il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés, c'est un très bon livre aussi. « Les langages de l'amour avec les enfants », on en a parlé tout à l'heure. « Les langages pour trouver l'amour », donc là, comment faire pour trouver la bonne personne. Et enfin, « Les langages de l'amour en milieu professionnel ».